Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de J3D Modding. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité, puisque nous sommes sur la spéciale de Ben El Ouidane. Nous sommes au cœur du Maroc, exactement à l'est de Marrakech, dans la province de Azilal. Et aujourd'hui, nous allons prendre le volant de cette Toyota Celica des années 80. 300 chevaux, 4 roues motrices. Je pense que c'est la voiture idéale pour cette spéciale qui est composée à 90% de terre. Le départ se situe sur cette petite route d'asphalte, mais ça ne va pas durer. On va attaquer la spéciale terre de suite après. Je pense que la voiture va bien se comporter. On va bien rigoler sur cette spéciale. C'est parti, je m'installe tranquillement sur mon fauteuil. Je suis en boîte manuelle avec embrayage et je suis prêt pour cette spéciale du rallye du Maroc historique. C'est parti. Virage assez chaud. Et on attaque la terre de suite après. Ça glisse. Alors la voiture, je l'ai simplement rehaussée au maximum en lui mettant un débattement maximal, puisque vous voyez qu'il y a de nombreux nids de poules. Ce n'est pas toutes les voitures qui peuvent rouler sur cette piste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le rallye du Maroc, c'est un très vieux rallye puisqu'il a débuté dans les années fin des années 20, en 1929 plus précisément, et que chaque année a lieu une épreuve. Dans les années 70, il a même fait partie du championnat du monde des rallyes. Et puis depuis 1988, le rallye du Maroc est devenu le rallye du Maroc historique, puisque ce sont essentiellement des voitures anciennes, des voitures de sport historiques justement, qui participent à ce rallye raid, rallye safari comme on dit. Donc cette Toyota avait toute sa place. Pour pouvoir rouler, elle se comporte plutôt bien. Hein. Et malgré les nids de poules, ça passe. Ça passe de justesse et ça passe. Oh, attention les cailloux en plein milieu de la piste. Ça secoue quand même. Hop là, hop là, hop là. J'ai failli sortir. C'était juste. Là, je vous proposerai de regarder le replay de la course à la fin de cette vidéo. On va essayer de la terminer déjà. Ouais, c'est encore plus accentué. Ouais, je suis passé près du rocher, hein, c'était chaud. Ouais, c'est vraiment plus accentué avec le casque, c'est impressionnant. Ouais, je vois même plus la route. Ah, je suis sorti. J'ai failli sortir. Ouais, superbe paysage, quoi. Ah ouais, là, c'est chaud, hein. C'est du Dakar, quoi. Les 300 chevaux, ils sont bien là. Heureusement que j'ai une quattro.
Hop là, je sors. Allez. C'est bon, ça repart. Petit virage à l'aveugle. J'arrive au campement et à l'arrivée. Ouf, c'était sportif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en direct du Maroc. Cette petite course virtuelle. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, vous abonner à ma page. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclusivité. A bientôt, ciao ciao.
Mmh.